Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale. Donc comme bon nombre de personnes le savent, c'est une vidéo, je n'ai pas annoncé mon départ à quelqu'un, donc j'étais sur Tunis pour une mission. Donc là je suis revenu dans ma ville natale, je suis revenu à Lomé. Donc j'ai appris beaucoup de choses durant une année, on apprend beaucoup de choses. Donc cette vidéo c'est un peu spéciale, pourquoi? Parce que c'est une vidéo pour vous expliquer un peu ma vision pour mon pays, ce que je veux faire aussi dans le digital pour mon pays, etc. Donc c'est l'occasion aussi de vous présenter mes ateliers que j'organise très très bientôt. On s'est fou donner un peu un aperçu de ce que j'ai préparé pour vous, les amis qui sont là. Donc c'est juste pour vous donner une idée de mes ateliers à moi. Donc je vais faire genre trois types d'ateliers. Donc le premier atelier, ce sera des after-work. Les after-work, comme vous le savez, c'est des petits ateliers où on discute sur un sujet du digital. Donc, il y a différents thèmes que je vais aborder. Donc, pour le moment, je suis en train de voir avec les incubateurs les espaces qui seront intéressés pour pouvoir héberger ces after-work-là. Donc, si vous êtes aussi intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, le deuxième type d'atelier que je veux faire aussi, c'est faire des ateliers sous forme d'hackathon. Donc, il va durer au moins 3 à 4 heures de temps. Donc, on prend par exemple un réseau social, on le décortique de A à Z. Donc, je vous montre un peu comment maîtriser ce réseau social-là. Comment optimiser, si par exemple je prends l'exemple de LinkedIn, comment optimiser votre profil LinkedIn pour être recruté par des employeurs, etc. Donc, il y a dans chaque sous-rubrique, il y a des thèmes. Donc, des thèmes que je vais annoncer très très bientôt. Et le troisième type d'atelier, c'est un peu un atelier haut niveau. C'est là les ateliers sur plusieurs semaines, voire même 3 semaines, où on apprend ensemble à faire un métier. Donc, j'ai dénommé ça formation complète. Donc, par exemple, on apprend à devenir un community manager. Donc, on voit tout un programme. Apprendre à devenir un community manager, c'est pas simple. On voit les astuces, etc. Donc, c'est des formations un peu dédiées pour les gens qui veulent reconverti dans le métier de community manager. Les gens qui existent déjà, qui sont community manager, qui veulent maîtriser un peu d'autres éléments dans le community management, etc. Donc voilà les trois types d'ateliers que je veux faire pour le moment, que j'ai préparé. Donc dans chaque type d'atelier, j'ai des sous-thèmes, au maximum 4 thèmes. Donc on a les after-work. Les after-work, ce sera des soirées, 2 heures de temps. On discute autour d'un sujet du digital, etc. Le deuxième type, c'est les hackathons. Donc, durant 3 heures, 4 heures, on apprend par exemple à créer et optimiser une page Facebook. Ou soit on apprend à optimiser notre profil LinkedIn, etc. Et le troisième type d'atelier, c'est les ateliers formation un peu complète. Donc, qui durent sur 2 à 3 semaines, un peu plus. Ça dépend du contenu de la formation. Donc, formation où on apprend à faire un métier. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, vous êtes une ONG, vous êtes un espace qui fait des formations. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Donc, pour les gens qui me suivent aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo avec les gens que vous connaissez. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, je mettrai le lien dans ma bio, dans la bio de la vidéo. Vous pouvez me contacter à travers mon mail, sur mes pages Facebook. Donc, on peut discuter sur le contenu de la formation et l'espace. Donc, je vous dis à très très bientôt. Et n'hésitez pas, je suis là pour répondre aussi à vos questions. N'hésitez pas à m'envoyer aussi vos questions, tout ce qui vous trottine par la tête. J'essaierai de répondre. S'il n'y a pas la réponse, je demanderai aux experts que je connais de me donner une réponse à votre question. Donc je vous remercie et je compte sur vous pour passer le mot à vos amis, à votre entourage. On se dit à très très bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous. Partagez aussi mes vidéos. Ciao, ciao, ciao.